L'air humide semble aussi épais qu'il révulse vos estomacs. Vos respirations sont de plus en plus difficiles. Le soleil brille par son absence ici-bas. Le manteau des ténèbres recouvre tout. Les sons se répercutent sur les parois suintantes qui semblent se rapprocher. C'est un environnement oppressant. Réverbération de l'écho des liquides poisseux qui se déversent dans ces tunnels. C'est un murmure capable de vous désorienter. De toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait bien rencontrer de menaçant dans des bas-fonds? Je vais mettre un morceau de tissu, en fait, juste au niveau de, en fait, pour couvrir la partie qui est encore visible de mon visage, en fait, juste pour masquer un peu les odeurs. Pour vous décrire un petit peu les formes de ces tunnels, ce sont des tuyaux faits de pierre, de briques, parfois même de roches à nu taillées, pour être confortablement, pour une avancée confortable, vous pouvez une personne à la fois ne vont pas se gêner. Deux personnes, vous commencez à être à l'étroit. Vous pouvez avancer de front à trois, mais là, vous allez mutuellement vous gêner. Il n'y a pas de place pour quatre personnes de front. De toute façon, Lester, si personne ne peut se mettre à côté de lui pour avancer dans ce tunnel, je pense. Est-ce que je peux du coup enflammer ma flèche avec la torche directement? Préalablement? Ouais, comme ça, ah, mais elle va se consumer, oui, ça rien. Non, parce que ça va se consumer, ça... enfin, maintenant, il faudra que tu l'allumes au dernier moment. C'était pour que ce soit plus facile pour moi de voir du coup sans quelqu'un qui m'éclaire. Donc, je vois que Aliaster ouvre la marche. Oh, j'essaierai de tirer au-dessus de l'épaule au pire, s'il y a un problème. Bah, au pire, tu te décales sur le côté, tu tires de. C'est pour ça que je me suis pas mis devant lui. Par contre, j'essaye de essayer de repérer un peu déjà comment ça se profile devant nous, si ça, à un moment donné ça tombe peut-être déjà, si c'est tout droit. Donc, effectivement, ça semble continuer de façon assez droite. Devant vous, vous avancez, Aliaster en tête, suivi donc de Skarl et d'Irvine, et la personne qui ferme la marche semble être Vald. C'est moi. Très bien. Donc, c'est assez oppressant. Ça réverbe beaucoup, beaucoup d'échos. C'est très dur de respirer dans cet environnement. Ah, Skarl, un son, un crissement. Non, plusieurs crissements. Ça vient de devant. Ça vient de devant. Fait un halt, attendez, j'ai beau essayer de. Putain, ça arrête déjà. Dans le noir, tu vois déjà une toute petite forme qui commence à venir vers vous. Et vous tous, vous voyez clairement un rat qui se profile, qui s'avance jusque sous votre lumière. Et il ne fait pas demi-tour. Il accélère. S'il accélère vers nous. Et il accélère vers vous. Et d'ailleurs, les couinements, les crissements, et une nuée de rats, un véritable tapis vivant s'avance vers vous dans un élan frénétique. Contre les murs. Une cacophonie de couinements stridents s'attaque à vos oreilles, tandis que les rongeurs foncent sur vous. J'aurais dit, contre les murs, j'aurais prévu que ça arrivait en mer. Bah, c'était écoute, ouais. possible, voilà. Moi, j'étais vers vous aussi. Il cherche à passer au milieu ou il vient vraiment droit sur nous en fait? Pour l'instant, toi, tu les as à peine entreaperçus. Vous avez eu juste le temps, effectivement, apparemment, de vous écarter à droite et à gauche. C'est assez difficile, hein, puisque ce sont des tubes. Donc, vous ripez un peu, Ouais. vous vous collez aux parois suintantes, Ouais. et cette nuée de rats passe tout en vous ignorant complètement. Ok. Et tandis que la moitié de la nuée de rats grimpe à l'échelle, ça fait froid dans le dos, les rats qui montent à une échelle, d'autres rats passent dans les interstices, dans les fissures des murs.
Saloperie. Pour disparaître dans les ténèbres. Attends, je leur dis que les rats en ville, enfin, surtout dans les égouts, c'est pas logique qu'ils aillent vers la lumière. Hein. Donc, c'est son regard. Les rats, oui, c'est ils avaient l'air de fuir quelque chose en fait. Est-ce que j'ai un écho de quelque chose d'autre de plus? Je sais pas, une respiration. Une petite chose. Aliaster a trouvé refuge un peu plus facilement sur le côté, dans un tunnel qui a une sorte de bifurcation. Les rats ne venaient pas de là. Hein. Apparemment pas, non. Je peux observer la grille. Regardez. Alors... au niveau des gonds, si elle a été utilisée récemment ou pas, s'il y a de la rouille dessus, et si c'est de la rouille qui est bien, bien fixe, parce que c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée, ce genre de truc-là. Tu regardes cette grille massive, très épaisse, lourde, en très mauvais état. Ouais, elle a l'air, ouais. Tu vois clairement que elle était fermée par un énorme cadenas à l'origine. Ce cadenas qui gît par terre. Fracassé, non. Ah non. Tu le prends dans ta main et tu vois clairement que ça a été tordu. Ok. Par la force. Force extérieure. Oui. Approchez-vous, c'est pas... il y a quelque chose ici. C'est pas Aliaster qui l'a fait en tout cas. Ok. Pendant qu'ils sont tous en train d'aller dans cette bifurcation, je vais essayer de capter un écho, un truc devant nous, où les rats, ils venaient. Devant toi. Ouais, bon, pour l'instant. Alors, ce serait dommage de te faire lancer un dé puisque tout ce qui est sonore est amplifié dans ces tunnels. En te concentrant, tu entends qu'il y a une source sonore qui émane du bruit. Ce sont pas tes compagnons. Ça vient pas d'en face non plus. Ça vient sur ta droite, là où tes compagnons se sont engagés. Tu détermines même que c'est un ruissement d'eau. Non, plus fort qu'un ruissement d'eau. Je connais rien en termes de banisme, donc je peux pas me dire ouais c'est normal. Ouais, je suis un peu méfiant quand même. J'entends un bruit dans les écoutes. Pour moi, c'est un peu bizarre quand même. Moi, je dis rien pour l'instant, comme ils ont l'air à enquêter. Oui, on n'entend plus le crissement. Ah, je sais pas, moi, il y a Aliaster qui me dit d'approcher avec la torche. Je vais juste rester devant le où ils sont, mais regarder un peu en face quand même, un peu à droite. Ah, tu remarques tes camarades qui sont au-dessus d'un squelette humain adossé à la paroi. D'accord, bah, je reste là un peu pour voir ce qu'ils vont décider. Moi, je regarde un petit peu parce que c'est plus doué que moi là-dedans. Ah, ouais. Il ressemble à quoi ce cadavre? Alors, c'est un homme avec la largeur des hanches. Tu détermines automatiquement que c'est un homme adulte. Le crâne a été fracassé. Ok. Irvin, tu remarques à hauteur d'homme qu'il y a un renfoncement dans la pierre. Et tu remarques des cheveux. Ah. Tu vois des cheveux incrustés dans la pierre. Ça prend un peu la forme du crâne, peut-être, le renfoncement. Tout okay. À fait. Il y a même des morceaux d'os dans le renfoncement. C'est bien dégueulasse. Violence inouïe, non humaine, j'imagine. Ah, tu connais qu'une seule personne capable de faire ça, et c'est Aliaster. Est-ce qu'il. C'est quoi, c'est lui le coupable. Je savais pas qu'il avait des dents aussi pointues. C'est que des os ou il y a aussi peut-être des vêtements sur lui Disons qu'il y a quelques morceaux de chair putréfiée. Ça date bien, selon Vald, d'au moins 2 ans, facilement. Peut-être moins si les rats se sont servis dessus. Il a encore des gouttes. Enfin, est-ce que je vois s'il a été sucé de son sang? C'est un squelette. Ouais. Okay. Ouais. Je pousse du pied vite fait le cadavre, voir si ses vêtements qui sont sûrement en lambeaux ne sont pas tombés des.
Non, c'est les vêtements effectivement sont en lambeaux. Tu en donnant un coup de pied dedans d'ailleurs, le squelette se réduit en un tas d'os et tu vois clairement que sous lui, il y a une grande barre de fer avec un crochet au bout. Ah, un égoutier. Égoutier. Bah, du coup, je fouille un peu encore avec mon pied parce que j'imagine que tu dois avoir des badges ou quelque chose pour les repérer en tant qu'égoutier, peut-être. Peut-être une Ah, plaque. il y a pas grand-chose qui reste. Ah, les restes d'une ceinture en cuir avec des anneaux. Caractéristiques des personnes qui mettent des clés à leur ceinture. Mais il n'y a pas de clés. Ok. Du moins, il n'y en a plus. Passe-partout. Et je pense que de toute façon les clés là seraient pas été très utiles vu l'état de la porte. Et du cadenas. D'accord. C'est noté. Et le Très bien. boyau continue au-delà ou pour l'instant il y a pas de cul-de-sac, hein? Selon Aliaster, ça continue encore. On va aller voir ça. D'ailleurs, Aliaster, c'est comme une odeur de lendemain de pluie là. L'air est un peu plus humide. Là, je l'ai D'accord, l'air reçu, est j'ai vite entendu par capté. contre aussi, ouais. J'ai entendu un ruissellement lorsque vous étiez en train d'observer Un cette aide, donc ça débouche peut-être sur une sortie ou quelque chose. accès d'écoulement un peu plus épais peut-être, un peu plus emprunté par les déchets. Par contre, en La face, ville, elle n'est pas traversée par une rivière? c'est un plateau, donc j'en doute, je sais mais. pas ce que les rats fuyaient, mais j'ai rien ressenti comme ça, c'est bizarre. Une question du coup, par rapport à là où on est descendu, où se situe à peu près le nord, le sud, l'est et l'ouest? En haut, c'est le nord, en bas, c'est le Ah, sud. as simple as that, ok. Le déversoir pourrait être par là, par exemple. Bah du coup, ça va être vers le Vous sud-est à peu près. vous dirigez vers le déversoir, là. Ok, donc c'est Selon par. Irvine, c'est vers le déversoir. Carl, ferme la grille en métal. Comme ça, si quelqu'un devait passer, on On l'entendra. l'entendrait, Je vais c'est pas faux. essayer. Si elle S'il n'y bouge. arrive pas, j'y vais. Hein, mais... Si, attends, je vais réaliser, ce sera plus simple. Parce que je suis devant normalement, hein, vous m'avez tous passé devant, mais... Je tente de fermer la grille avec Irving, mais du coup... Tire comme des. Vous tentez de fermer la grille. Non, il a fermé un peu, histoire que on puisse moins bien passer, en vrai. C'est Pas ça. fermé, fermé, mais... Je pense pas Mais, de qu'on toute puisse façon, la tu peux fermer la jusqu'au bout, fermer, mais au il y a moins juste pas de pour. cadenas. Par contre, là, ça va résonner dans Alors, tous les goûts, hein, mais... vous permet de constater une chose, c'est que les gonds sont Dégondé. pliés. Plié, d'accord, Ok. c'est plus simple. Plié. Ah, ça a été arraché en fait. Tout à fait. Ah, je vais À la m'assurer que je le place. fais. Bah, Aliaster, c'est pas possible. On peut pas fermer la porte, c'est coincé. Ce qui a Je sais arraché pas fermer une Kenna. porte. Non, mais ce qui a arraché Kenna a aussi décidé d'arracher la porte. Donc faudrait la retordre dans l'autre sens, j'imagine. Attends, j'arrive. Non, mais laisse, tu vas faire beaucoup trop de Oui, boucan ça si tu fais résonne ça. ici, puis je risque d'être trop percuté pour essayer de faire quelque chose. Déjà, je suis désolé, hein, mais effectivement, toutes vos paroles résonnent. Ouais, mais alors à mon avis, le truc strident, ça va se répercuter beaucoup plus loin. Personne m'a dit qu'il chuchotait. C'est Moi, vrai. j'ai dit que je chuchote toujours en groupe. Oui, mais toi, plus que les autres, Aliaster, ta il voix résonne encore plus. chuchote pas. Bah Oui. oui, je sais. J'ai quand même un dernier coup d'œil avant de repartir vers d'où les rois revenaient, hein, parce que c'est bizarre, c'est très bizarre ça, qu'ils partent comme ça des égouts. Ah, tu jettes un dernier coup d'œil Comme je suis encore là. dans cette direction. Ouais, là-bas. Tu ne vois strictement rien, Si puisque Axa. les sources de lumière Non, je sont trop loin de toi. tente de percevoir, je me dis pas, je voulais dire ça, j'ai mal exprimé. Non mais, De percevoir si que Axa. je recommence d'essayer de se percevoir un truc. Si Axa, tu sais, on peut se séparer en deux groupes, hein, Maintenant. Tout ce que tu entends, c'est Ok. Mais un ouais. souffle. C'est pas parce que j'ai rien vu que je me dis y a rien en fait. Je suis très suspicieux des rats, ils sont barrés, donc je reste quand même bien sur mes gardes. D'autant que t'as quand même pas mal d'effluves qui devraient t'arriver vu qu'on vient d'ouvrir un accès. Donc tu dois avoir un bel appel d'air. Bah plus il y a d'odeur et de bruit, plus ça va m'empêcher, j'aurai plus de mal à capter les choses de toute façon, donc aussi. Bah suite Oups! voilà, comme j'ai dit, je reste sur mes gardes, mais je.
je vais suivre les autres. Alors, donc, vous continuez donc à progresser dans les boyaux. Ah, Aliaster se décale. Il y a un truc dégueulasse sur le sol. Ouais, j'ai vu un truc au sol, je me méfie. Putain. D'accord. Attention, on connaît cette chose. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très épais, c'est poisseux. C'est fumant même. Fumant, ok. De l'acide. Ouais. Ça, Val. Vous distinguez. Donc Val de marche dedans. Marche dedans, ouais. Foutre. Reste dessus. Et il se tourne vers vous et dit ah non c'est juste des détritus en décomposition et qui forment une soupe nauséabonde. Ah, rien d'anormal, selon Vald, qui patauge dedans avec un petit rictus. Ouais. Alors, à noter que si jamais on veut partir précipitamment, ne pas marcher dedans, sinon ça va être la gamelle assurée. J'ai quand même envie de voir ce que c'est, moi. Je vais mettre un genou à terre et essayer de regarder ce que c'est. Tu veux essayer de déterminer ce qui a composé ce truc dégueulasse c'est... Je regarde tout comme ça, je suis pas en mode Alors... mission, hein. Je regarde tout ce que c'est. Alors, tu vas... Scarl. Tu vas me jeter un dé. Oui. Tu vas donc me faire un jet de volonté. Sinon, tu dégobilles partout. Tu rajoutes du truc. Du mucus sur le mucus. Volonté plus concentration. Très bien. Donc, selon toi, ça, c'est un gros tas de merde. C'est. Littéralement. Après, comme j'ai dit, ça suit le fait que je suis pas très rassuré de ce qui s'est passé juste avant avec les rats, donc je vérifie un peu. Okay. L'air est de plus en plus humide. On s'approche. Sur le sol, ce qui a l'air un petit peu plus bleuté, ça a l'air d'être un filet d'eau. Il y a un cadavre de rat. Cadavre. Ça ressemble à. Ouais, c'est un... ça ressemble à un rat mort. Plusieurs rats morts. Oui. Alors effectivement, c'est sur le sol un rat de petite taille est inerte. En vous rapprochant, vous constatez qu'il est complètement desséché, presque momifié. Oh oh, comme vidé de ses fluides. Ah ouais, soit il a passé beaucoup de temps dans un au sous, dans un séchoir. Sous le soleil. Je peux dater sa mort? Le dater. Avec toutes mes compétences. Donc tu te penches sur lui. Tu commences à le sculpter. Bon, c'est pas un être humain, hein, mais tu t'en as déjà ausculté plein. Hein. Faut bien se faire la main sur. Sur Quand ça, rien et tu retires ta main très rapidement en constatant qu'il est encore chaud. Donc c'est tout et récent. Tu verrais pas de perforation quelque part sur le rat? Est-ce qu'il a les deux incisions quelque part? Ah, tu remarques effectivement deux grosses incisions, oui. Voilà, okay. J'imagine que c'est pas la jugulaire qu'a pris là. Non. Je pense que là, c'est le corps entier qui a pris. Je préviens discrètement, mais... Par contre, la taille des incisions est comme cela. Énorme. Ouais, ok. Ah oui, c'est que le rat, il a été percé à deux, là. C'est en deux, c'est des... Je préviens discrètement mes amis en disant ça vient d'être fait. Ok, on est sur la bonne voie, au moins. Il est facilement midi. On a faim. Et le soleil est bien haut dans le ciel. Et comme par un appel divin, le dessus du déversoir est inondé de lumière. Car effectivement, là, vous êtes pratiquement au-dessus du déversoir. Ce qui vous sépare du déversoir, c'est une bouche, une grille, où émane de la fumée ou de la vapeur, quelque chose, avec une main humaine squelettique agrippée. Oh.
Il n'y a qu'une main humaine squelettique agrippée au bord. Il n'y a rien d'autre, pas de bras ou de corps. D'accord. Et la grille est forcée. Elle est éventrée, oui. On n'avait pas trouvé de corps encore à qui manquait une main, hein, je pense. Non. Non, je pense que le reste est en bas. Bah, Lester, on a peur d'approcher. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'arc à deux mains maintenant. Je suis en mode, comme j'ai dit, je suis en mode vigilance totale. Ça, tout moi, à fait. Je suis attiré par la main comme un aimant. N'y touche pas, ce serait dommage de la faire tomber. Est-ce qu'il y a une bague? Est-ce qu'il y a un bijou? Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît sur la main? Non. Rien du tout. Non. Je viens de, main de femme, main d'homme, femme. Je peux le déterminer. Vu la taille, soit c'est un homme assez petit, peut-être une femme, c'est possible, mais rien n'est sûr. Là, c'est en trop mauvais état pour déterminer quoi que ce soit. Il y a beaucoup plus de bruit, bien évidemment. Hein. Alors, c'est de l'eau bouillonnante, pas chaude, hein, c'est juste. C'est de la. Comment on appelle ça? De la brume. Voilà. Donc, au-dessus, vous voyez donc hein, la forme carrée du déversoir. En dessous, effectivement, ça continue de descendre. Et chose que vous n'aviez pas entendue lorsque vous étiez au-dessus du déversoir, les canalisations latérales, à droite et à gauche, déversent leur flot d'eau usée. Même le tunnel, le boyau qui est en face de vous également, déverse des trompes d'eau à l'intérieur. D'accord. Beaucoup trop d'eau pour qu'on puisse les emprunter, j'imagine? Alors, si, c'est faisable, mais ça risque d'être un petit peu tendu, mais c'est faisable. Il y a un léger courant, ouais, tout ça. Mais... C'est ça, ouais, c'est que si jamais on marche encore sur une flaque visqueuse, on risque de se gaufrer et de repartir dans l'autre sens. donc, soit on le tente, soit on fait demi-tour et on prend le chemin annexe qui continuait vers l'est. Soit on descend dans le gouffre avec la main accrochée. Pas sûr qu'on passera tous dedans. Ah, c'est un peu étroit là, oui. Pas sûr que j'ai envie de. Et toutes les portes qu'on a rencontrées là, éventrées ou les ouvertures, etc. Mm-hmm. C'est à quelle hauteur? C'est à hauteur d'homme? C'est au ras du sol? C'est à grande hauteur? Si tu vois ce que je veux dire. Très difficile à déterminer là. C'est à dire. Ah oui là, c'est pas évident. Mm-hmm. Il aurait fallu connaître les lieux avant, ce qui n'est pas votre cas. Où est-ce que se situe la petite échelle creusée dans la roche là? De quel côté se trouve? En face de vous, sur cette paroi là. Ok. Par contre, le mur qui mène au trou ici, il a été cassé. C'est une porte aussi. Pardon ? Lequel ? Ce qui mène ici, de ce pan de mur-ci, parce que de l'image, on dirait que c'est quelque chose qui a été cassé, tu vois. C'est un mur cassé, on dirait. Et comme si on l'avait éventré le mur. Non, c'est. Non, c'est. C'est un accès. Ok, c'est une porte normale, là, c'est un accès normal. Une grille ? C'est ouais. Le vide hein, en face de vous. Là, il y a le carré qui est en face de vous, c'est le vide. Ah, c'est du vide, carrément. Ah, oui. Donc, regarde, mètres, hein. De toute façon, on pourrait même pas essayer de passer à l'un des autres couloirs avec ce truc-là, quoi. Il faudrait sauter, ce serait beaucoup trop dangereux. Bah, éventuellement, Aliaster a les bras suffisamment longs pour aller sur soit le tunnel de gauche, soit le tunnel de droite. Il s'agrippe, il enjambe, et s'il trouve une bonne prise pour assurer sa prise, bien sûr. Vu le niveau d'humidité, les bonnes prises. À mon avis, on n'a pas trop le choix, il faudra faire demi-tour, à part si vous voulez descendre. Et donc, on voit pas le contrebas du puits, hein, enfin du trou. Ah, si, vous pouvez le voir. Je regarde un petit coup d'œil avec la torche, voir si on voit en dessous. Oh, la torche bat. Yeah. Oui. C'est diablerie. Un peu folle. El diabolo. Ah, plein de mes pouvoirs. Et ben. Je t'invite, Small, à utiliser tes propres yeux.
Avec la fonction zoom, si tu le désires. Moi, je vais peut-être regarder les murs vite fait, s'il n'y a pas des éraflures. Quelque chose qui aurait essayé de grimper, peut-être, sur le long de ces murs et qui aurait laissé des marques. Ou des dépôts. Ou des dépôts. Si il y a des dépôts, à mon avis, tu dois avoir un sacré paquet. Ah oui, ça, il y a beaucoup de dépôts, oui. Ça, beaucoup de détritus et autres. Tu regardes et t'observes, voir s'il n'y a pas des traces de passage. Absolument, de passage, mais plus que laisserait des griffes ou passage un peu forcé, en s'en grimpant, le long des parois. Je voudrais regarder autour, moi, ici. Donc, je vais vous demander un jet de perception. Plus survie urbaine. Ok. Je me mets pas en mode prédateur. 5. Pas terrible. Je me mets pas en mode prédateur parce que je crois pas que c'est logique que j'arrive à concentrer moi avec toutes les odeurs et tout ce qu'il y a. Tu peux concentrer tes sens sur tes yeux si tu veux. Ouais, là je vais le tenter. Je me mets en mode prédateur. Donc je suis à plus 2, plus 3, plus 5. Ouais, j'ai fait un cœur, j'ai fait un maximum. Oh la vache, le critique! Oui, j'arrive à le faire, je sais le faire, ça y est. Et il ne voit rien. Ouais, je fais un casse-pour rien, vous allez. Ouais, quand on va affronter le boss tout à l'heure, tu vas nous faire des 1. Oui. Irvin, tu constates, selon toi, il n'y a rien qui est passé par là, mis à part des rats. On ne voit rien de spécial. Et moi, tu es contredit par Skarl, qui te montre, qui t'indique là. Ici, là, sur la paroi, sur le sol, sur le plafond. Effectivement, comme des griffes, comme des griffures, comme... Mais c'est discret. C'est vraiment presque imperceptible. D'ailleurs, Skarl, tu es presque le seul à être sûr à 100% de ce que tu vois. Les autres émettent presque des doutes. Faut vraiment qu'il se penche dessus, qu'il tâtonne, qu'il touche, pour ressentir une petite aspérité de cette griffure. Non, c'est... Non, bien joué, Skarl, je l'aurais pas vu. Je l'ai pas vu, d'ailleurs. Donc non, bien joué. On a confiance en ses instincts de chasseur. Oui, clairement. Et d'ailleurs, en remontant la piste, tu vois, Skarl voit même au-delà, puisqu'il a fait un critique, hein. Et remarque les traces, je vais pinguer hein, pour les traces, d'accord ? Alors, les traces visibles dans la zone où Skarl est, il y en a ici, là, ici, ici, ici. D'accord. Donc, c'est ça. C'est clairement, elle se déplace partout. Quoi. C'est vraiment ça. Comme j'ai remarqué ça, je vais avoir des regards un peu au-dessus de nous, derrière, en face. C'est de voilà, vigilance. Donc sur le plafond aussi. Donc, quel que ce soit, c'est capable de se dépasser sur le plafond, en se tenant au plafond. Ok. Ouais.